Eh bien, salut tout le monde, les gars, c'est Nioy. J'espère que vous allez tous très très bien. Parce que moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se fait l'épisode tant attendu avec la de Little Trek. L'épisode Mercato. Eh ouais, moi, ça fait vraiment longtemps que j'attends. J'adore les Mercato sur PCM. Voilà, on a un petit brief des courants en fin de contrat. Euh, donc, euh, on en avait déjà parlé, mais on va avoir en fin de contrat Fabio Felliné, Gebrek Zabir, Conrad, Moscas, Test Fashion, Vergard, euh, Verona. Donc voilà. Euh, C'est un épisode où on va parler beaucoup. On va beaucoup parler. Donc euh, voilà, on faut... faut être posé sur son canapé pour euh, bien profiter de cet épisode. <coughs> Il y aura pas de course. à moins qu'on ait la Classica San Sebastian. En fin de vidéo. Mais je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Bref voilà, on est le 1er août. Alors du coup, avant d'être sur le mercato, on n'a rien à changer au niveau sponsor avec ce nouveau euh, mode de fonctionnement. Donc euh, voilà, ce sera en 2027 apparemment. Et pour l'instant, tout est nickel euh, bah, sur euh, les objectifs. On a déjà réussi à terminer, euh, à faire les 18. On a 37, courses, euh, 37 victoires en World Tour sur les 18 attendus. Pour l'instant, on est premier dans le classement mondial. Bref, voilà. Alors ce qui veut dire aussi, vu qu'on est actuellement premier au classement mondial, on peut attirer des gros coureurs. On va aller voir la page des classements. Avec à peu près 3000 points d'avance, quand même sur la Visma. Le meilleur coureur actuellement, c'est Mass Pedersen à prendre. La Scalmo. et Jonathan Milan. Euh, ouais, mais après, c'est. On a des coureurs qui marquent des petits points, on va dire. Mais je comprends pas pourquoi Taoué est pas plus haut. Mais bref. Ouais, c'est pour ça on a pas mal de coureurs à 2000 points. Ça qui nous fait euh, être assez haut. Bref. <coughs> Trêve de plaisanterie. Ok, ça, on accepte. On s'en fout. L'ouverture du marché des transferts. Et ça, les gars, ça nous régale. On va directement aller voir les transferts. On va faire les prolongations. Parce qu'on est sûr, on en avait déjà parlé. On les avait déjà évoqués. Euh, voilà, donc ça, c'est l'équipe qu'on a pour la saison prochaine. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu léger. Il va falloir se renforcer. Se renforcer où Et ben justement, on va voir ça de suite. Euh, par où commencer Par le mec que je veux à tout prix garder. C'est vraiment le mec que je veux garder. Alors il va coûter cher sans doute. Tom Skynge. On a 500 000. Ça me paraît beaucoup, mais en même temps, ça me paraît peu. On ouvre le dossier Skunge On va lui proposer de rester que deux ans. Et on va lui demander d'être un équipier de luxe. 13 800, ça me paraît pas mal. Ok, 15 000 euros par mois. C'est pas trop mal, sachant qu'on garde Skunge qui est un coureur que j'aime beaucoup, qui me plaît. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est pas mal de garder Skunge on a réussi à baisser son salaire donc c'est pas trop mal on va ensuite... enfin euh, on commence du coup par les cours de notre équipe je pense qu'on devrait aller chercher Tim Thorn-Tuttenberg euh, donc qui est de la trek euh, de la future racing on va continuer avec Carlos Verona euh, donc coureur des verona on pourrait essayer de baisser leur salaire vu qu'ils sont un peu âgés ils ont tout intérêt à conserver enfin euh, à rester dans l'équipe pour conserver leur place c'est des mecs importants. Ils l'ont montré tout au long de la saison. Verona, 2 ans. Je pense que c'est pas mal. On va lui proposer 10 000. Équipier de luxe. Ok. Il n'est pas satisfait de son salaire. C'est normal. Mais autant proposer. Bah voilà, comme ça après. Ils acceptent autour de 13 000. Moi, ça me va. 31 ans. 13 000, c'est pas si cher. On ira valider après. En fait, déjà, les recrues de l'équipe. Patrick Conrad. Alors là, je pense que je vais lui proposer qu'un an. Et bien baisser son salaire. Alors ça me coûte 2 points, ça va à peu près. Alors moi je propose pas euh, Je voudrais que 1 an 2 ans max euh, Coureur important je pense Conrad Ouais c'est ça bon là il est satisfait du rôle et de la durée Juste le salaire ça lui pose un peu problème Hop on va réussir à signer Conrad On l'a payé un peu plus cher que prévu Mais euh, ça valait le coup pour Patrick Conrad. On va aller voir donc à présent pour Tim Thorne-Tottenberg. Un coureur que j'aime vraiment beaucoup. Et qu'on avait eu avec la caractéristique mobile. C'est pour ça que je vais aller le prendre. Tim Thorne-Tottenberg va arriver dans l'équipe. Il est jeune. On peut, lui, on peut essayer de le douiller. En lui proposant un petit contrat de 3 ans. Logique. Euh... On va le proposer comme sprinter. Un petit 7200 je pense. Ça peut être pas mal. Ok. On se rapproche mais... 11 000. bon en vrai euh, c'est plutôt nous qui ça me fait douiller je pense étant donné que 11 000 euros c'est un peu cher après il a une énorme marge de progression ça c'est sûr et certain on va aller tout ça valider tout ça donc ce cas une verona conrad et Tottenberg en tout cas j'espère que le mercato que je fais vous plaît euh, mais euh, en vrai euh, bah, j'essaie de faire le plus réaliste possible et vous le savez les gars donc déjà on a une arrivée et trois prolongations c'est très important pour moi de faire venir euh, Tim Thorn Tottenberg. Euh, donc il est jeune en plus. Ça va faire baisser la moyenne d'âge. Ok, donc un coureur qu'on ne va pas prendre. C'est sûr et certain, les gars. Je vous parle de Lawrence Pitti. Il va coûter trop cher de 1. Et de 2. Son... Il a augmenté trop, trop rapidement. Même si j'aimais bien son profil, ça sert à rien. On amasse Pedersen, ça va créer de la concurrence pour rien. On va continuer avec un autre coureur que j'aimerais bien voir. S'agirait d'Arol Tejada. Alors, il y a Giulio Pellizzari aussi que je veux. Donc je vais essayer de m'approcher de Pellizzari le plus rapidement possible. Pour pas le laisser filer dans une autre équipe, parce qu'à mon avis, il va attirer les plus grands. A seulement 20 ans, regardez le potentiel qu'il a et regardez les stats qu'il a. Un profil à la Chicone. J'aime bien Giulio Pellizzari, Giulio Chicone, ça peut faire un bon duo. Ok. On va lui proposer un rôle de leader avec un salaire de 13 800 15 000. Et il accepte pour 15 000. Les gars, c'est très très bien. Pour l'instant, on fait un très bon mercato. On laisse des sous de côté. Et euh, du coup, c'est pas trop mal. Hein. Du coup, on aura un, un bon équipier pour le début. Puis ensuite, euh, potentiellement un leader. Alors ce sera dans la durée. Ce sera comme Tottenberg. Ce sera pas un sprinter absolu euh, dès maintenant, mais ça va s'inscrire dans la durée, ça. Euh, ensuite, ensuite, ensuite. Un Américain. Euh, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son profil. Euh, je pense qu'il irait bien. Il... il irait bien à l'équipe. Alors attendez, je réagis les stats de Piganzoli. Piganzoli, c'est des belles stats aussi. On va pas se séparpiller non plus. <laughs> Mais euh, voilà. On aurait pu prendre un mec comme ça. ça. Mais on est focus sur les, les dossiers qu'on a déjà. Donc ensuite, il y avait donc euh, je parlais de Cepeda, de Vandenberg et de Sean Quinn. La priorité pour moi, comme équipier, c'est Tejada. Euh, en montagne. Essentiellement, Lawson Craddock, je sais pas pourquoi je l'ai pris, ça me sert à rien de le prendre. Honnêtement, c'est juste parce qu'il coûte un point. Mais euh, ça vaut pas vraiment le coup. L'intérêt de Vlasov est à 86%. Même si je le veux vraiment, ça va quand même être compliqué d'aller le chercher. On le sait, c'est un corps très polyvalent qui aurait sa place, je pense, dans l'effectif. On va le prendre en dernier. Si jamais il nous reste de la thune et des points. Euh, du coup, je sais pas où partir là. Euh, il y a donc euh, la carte Harper Il y avait la carte quartier aussi euh, Chris Harper est un peu plus jeune que Duke Carty Il y avait Narvaez aussi qui m'intéressait bien Moi je vais partir sur Déjà Marine Vandenberg Marine Vandenberg Pour un, un petit duo Avec euh, Tottenberg Ça peut être très bien Les jeunes on laissé de les signer pour 3 ans euh, En fait Marine Vandenberg je pense Qu'on peut lui donner un rôle d'équipier de luxe 11 000 de salaire ça me paraît pas mal. Et déjà, je trouve que le mercato est très bon. On signe des, des jeunes pépites. Du coup, ça, c'est une très bonne chose. A euh, voir si on va chercher John Queen après. Je sais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, du coup, là, voilà. Ça, c'est les mecs qu'on va signer On va aller vite, vite fait faire le tri. Valider Pelizari et Vandenberg. Je suis très content d'avoir pu prendre Pelizari. C'est un joueur qui va progresser très rapidement, je pense. Du moins, je l'espère. Euh, alors, euh, du coup, je vais aller check tout à l'heure son potentiel sur le Fast Editor. Je le toucherai pas, vous inquiétez pas. Mais j'irai regarder. Il euh, y avait Alexander Cepeda aussi qui m'intéressait. Le corps de 26 ans. Euh, soit on va prendre Cepeda et on prend pas Narvaez. Soit on prendrait euh, Narvez, et on prendrait pas Cepeda. Moi, ce qui me plaît avec Cepeda, c'est son potentiel. Énorme potentiel en course par étapes. Donc il peut se développer sur le chrono. Peut se développer en tant que grimpeur et en tant que puncher. Il a déjà de très belles stats. Pour l'année prochaine, ce sera largement suffisant. C'est un profil comme on a déjà. Un profil qui me plaît. Ce genre de, 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 de puncher ultra punchy, là, comme on a un peu avec Bad Julie. Euh, enfin, puncher ultra punchy, ça veut rien dire. Les punchers euh, qui grimpent bien, c'est ça que je voulais dire. Euh, un profil un peu comme on a avec euh, aussi Juan P. Lopez, qui est un bon puncher, qui grimpe très bien. Euh, qui d'autre J'ai comme exemple beaucoup de évidemment. Euh, Nathaniel Tesfastion un profil que j'aime beaucoup. Mais euh, voilà. Hein. Euh, ensuite, on avait qui d'autre euh, Thibaut à peu près. Tout le monde Voilà. Bref. Euh, du coup, je pense qu'on va partir sur ces là Pour l'instant, on n'a pas recruté de vrais leaders. <laughs> en même temps, sur les sprints, on avait Jonathan Milan que je vais pas forcément conserver. J'aime bien changer les sprinters un peu. Puis si jamais on a un Vandenberg ou un Tottenberg qui monte vraiment en puissance. Bah, euh, Jonathan Milan à la porte. Hein. C'est ce qui peut arriver. Donc, ensuite, 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 ensuite. On va aller voir Cepeda. On va essayer d'ouvrir les négociations avec lui. Euh, il a une grosse... Un gros potentiel. Euh, je pense que Cepeda, ça peut être une très bonne chose. On va le mettre en tant que leader. Je pense qu'il peut déjà avoir un rôle de leader, Cepeda. Peut-être que je me trompe. Mais oula, le salaire il est pas content. Ok, ça on se rapproche un peu de ses. De ses désirs. Voilà, ok, c'est bon. 18 000, pour l'instant on n'a pas vraiment acheté de cours à plus de 20 000. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Euh, je regarde un peu au niveau des leaders qui pourraient éventuellement venir. En tant que grimpeur, parce que j'ai peur qu'on puisse pas aller chercher Vlasov. J'ai peur, hein, je vais pas vous mentir. Piganzoli, je veux pas aller les chercher. Même s'il a un profil que j'aime beaucoup. De pur grimpeur, un peu à la... Pantani, euh, je voudrais pas aller chercher euh, Pianzoli parce qu'on a déjà recruté. Euh, euh, on a déjà recruté comment il s'appelle Pelizari, donc je vois pas l'intérêt. On a Timel Hansman qui pourrait être intéressant, mais voilà, c'est un peu un lask On dirait qu'il manque un peu de de, mon, de, de montagne en stat. Euh, je veux un mec complet, c'est pour ça que Vlasov c'était parfait. Euh, ouais, je réfléchis hein, vraiment. Dans tous les cas, on avait dit qu'on allait beaucoup parler aujourd'hui. Euh, donc Cepeda c'est signé Shen Queen du coup vu qu'on a acheté Cepeda Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher Shen Queen J'aurais tendance à dire oui Vu qu'il est polyvalent et que ça pourrait faire un excellent et Un équipier excellent euh, Là parce que là du coup on a signé euh, Déjà six coureurs 7 On va valider Cepeda comme ça on aura une meilleure vision Hop qu'est-ce que je fais Tac Et on va aller voir du coup euh, Transfert j'ai cliqué sur recherche, hop, transfert parfait, équipe liste. Donc, on a un équipier en montagne qui se rassemble sur sa dernière année. Je pense que l'année prochaine, Conrad, chut, ça part. Pelizari. Pelizari donc, deuxième équipier pour la, la montagne, le vallon, tout ce qui grimpe. Ben, vous avez compris. Euh, Scunge, c'est pas ce profil-là qu'on cherche, c'est un profil pour aider Pedersen, par exemple, sur les classiques. Profil de baroudeur, un mec qui sait tout faire. Ensuite, on a Cepeda. Ça fait le troisième qui sera un excellent équipier. Hum, et Verona. Ça fait déjà 4. Euh, sachant qu'on a déjà les autres coureurs de l'équipe. Euh, tac, 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 tac. On peut aller voir Little Trek déjà. On va regarder dans les qualités. On peut pas trier par qualité. Mince. Bah bon, on a ce Ça fait 1. Geogegenhardt. Euh, je compte pas Chiboné, parce que pour moi, c'est un pur puncher. Chicone. Conrad. Pedizzari. Bajoli, oui et non. Cepeda. Euh, Juan P. Lopez. Je crois qu'on a à 6 ou 7 déjà. J'ai oublié combien on est, mais bref. On a Verona. Plus Molema aussi. C'est vrai, Molema. Euh, ouais, Dario Cataldo qui partira en fin de carrière, du coup. Mais euh, je sais pas, du coup, si on continue et on prend un énorme leader qui serait Vlasov. J'aimerais bien, pour l'année prochaine, avoir un mec comme Vlasov. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt Est-ce que c'est pas un peu déconné Parce qu'en plus, 19 points, il coûte cher, hein. Coûte très cher. Un Simon Yates, ça pourrait vraiment m'intéresser. Le truc, c'est a, on n'a pas ouvert son dossier. Et le voir porter le maillot de la Lidl Trek en vrai, ça me branche pas vraiment. Ensuite, pour ce qui est des, des autres, bah voilà, il hein, y a des mecs euh, comme Maddie Merkels qui aurait pu euh, venir. Alors, c'est pas un grimpeur, je sais bien. Mais ça m'intéressait bien. Je regarde un peu tout ce qui se fait. Euh, Tim que ouais, ça peut être une... un vrai profil. Alors, Christian Scaroni. Ah. Scaroni, on euh... dit que Scaroni ça peut être sympa, je sais pas, Marechko aussi, après euh, je vais pas aller rechercher euh, tous les mecs qui me semblent bien, ça sert à rien, Steph Kras, je sais pas pourquoi je veux pas ouvrir son dossier, en vrai ça m'intéresse vraiment Steph Kras, après voilà, j'avais pensé ouvrir euh, aussi le, le dossier Sergio guitar mais malheureusement il a trop, euh... il a plus de belles stats comme il y avait avant. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... On aurait pu le prendre, mais il aurait fait... Euh, il aurait rien joué du tout, quoi. On avait des mecs comme Chavez, mais ça sert à rien. Tonyson, c'est pareil. ça euh, c'est un mec qui est finito aussi. Euh, tac, 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 tac. Non, en vrai, je pense que... Le meilleur bail, c'était de prendre Vlasov. Mais j'ai peur si on va prendre Vlasov. Euh, déjà, qu'on met une mauvaise surprise. Euh, je sais pas. Une mauvaise surprise dans le sens où... Il n'y a pas une bonne entente. Qu'on perde 19 points. Euh, quand je dis qu a pas une bonne entente, c'est que bah j'ai peur qu'on que ça ne matche pas avec Geo Gé et Scalmoge. Scalmoge, je ne le vois pas rejouer un grand tour. À part une Vuelta ou un truc comme ça. S'il progresse pas en montagne, c'est mort. On va aller voir euh, les durées de contrat de Geo Gé et Scalmoge. Et de Chikone par la même occasion. Mais. Parce qu'il faut vraiment réfléchir, les gars. Général, de quoi c'est que je vois ça Ok, Contrat. Scalmoge 2026, GeoGanart 2026, Chikone 2026. Ça veut dire que si ça marche pas, et eh ben on doit se taper euh, un truc qui marche pas pendant au moins deux ans. Bah moi je vais pas vous mentir, ça me fait un peu peur. Euh... Ouais, ça me fait vraiment peur. Ça devrait marcher en théorie, hein, mais... Euh... Parce que bon... Vlasov est quand même plus fort que GeoGanart. Plus fort que ce qu'elle Et plus fort que Chikoné. Euh Les gars, je vous, avoue, je vous avoue, je suis paniqué. Je vais regarder à combien de temps on est de tournage. A déjà 16 minutes, faut que je me dépêche un peu parce que sinon, bon, on n'est pas sorti. Euh, pourquoi euh, j'ai encore la barre d'affichage Windows Mais bon. Magnifique. Euh, mais du coup, euh, ouais. Euh, je sais pas trop ce que je dois faire. Je pense que je devrais prendre Vlasov. Mais en même temps, je sais pas. Euh, Mettez-vous à ma place, c'est compliqué. Euh, David Decker, je pense qu'on ne le prendra pas. Voilà, on a déjà deux gros potentiels en sprint. On ne va pas aller chercher David Decker. Après, il faut voir aussi ce qu'on veut jouer l'année prochaine. Si on veut jouer un peu plus les classiques, les grands tours. Moi, je suis plus branché grands tours et vous le savez très bien. C'est pour ça que j'essaie de me renforcer au max en recrutant des jeunes, des mecs qui grimpent bien. C'est ça. En plus, on aura un potentiel, c'est péda les Pelizari qui peuvent monter vraiment en force. Ça peut condamner Vlasov. Euh, je sais pas. Je pense qu'on ne devrait pas prendre Vlasov. Je pense qu'on ne va pas prendre Vlasov. Et on va se renforcer un peu avec des équipiers du style Tejada. Du style. Euh, euh, qui je peux trouver en équipier là par exemple J'avais un mec qui me branchait bien. Par exemple Scaroni, Vandishke. A mon avis, c'est une, une mauvaise idée de prendre Vlasov. Et on va pas prendre Vlasov, les gars. 19 points, il coûte trop cher. On va le laisser partir dans une autre équipe. Euh, on espère qu'il s'épanouira là-bas. Mais là, ouais, non, c'est une mauvaise idée. Faut se rendre compte des, des choses. Donc, euh, donc, ouais. Alors, euh, Tim Van et Mick Van ils ont des beaux profils. Ça peut être intéressant. On essaie de recruter un, un autre mec qui pourrait vraiment, je pense, s'épanouir. Parce que j'ai pas vraiment tout fouillé, hein, je vais pas vous mentir. <laughs> qui pourrait s'épanouir chez Trek, uh, Andrea Pasqualon peut-être en, en fin de carrière. En vrai, ça peut être vraiment bien. Je sais pas, j'essaie de réfléchir à des trucs, euh, nom masse, nada. Euh, pff, ça me range pas, hein. Fabro, non. Non, en vrai, un mec qui pourrait bien m'intéresser serait Tejada, euh, mais Tejada, euh, Bah niveau du potentiel, c'est pas bon. Je veux dire, euh, il n'atteindra pas plus de 77 valons 77 moyennes montagnes, 77 montagnes, donc il pourra jamais rien jouer. Niveau du contrôle à la montre, bah, c'est flingué. C'est ça qui me. J'aurais aimé un mec un peu plus complet. Un peu la Shane Queen. Donc je pense qu'on va prendre Shane Queen. Et après on va aller voir. Du coup pour clôturer ce mercato. Je pense qu'on n'aura pas besoin de plus. On va juste aller voir Shane Queen. Et il nous restera 400 000 de budget quoi. On a vraiment pas besoin de ces. Ces, ces 500 000 au final. Euh, je pense qu'on peut le mettre déjà en équipier de luxe. 13 000 ça me paraît pas mal. Ok il va vouloir un peu plus normal. 15 000. Bon. Je vais Validation Queen. On va voir ce qu'on qu aura donc pour l'année prochaine. Mais je pense qu'on est pas mal. On a à peu près respecté les centres d'intérêt de l'équipe. Donc, en Italie et aux États-Unis. Effectif 2025, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 coureurs pour l'année prochaine. Ça me paraît relativement pas mal. On va vite faire voir qui sera sans doute sur le déclin, qui ne le sera pas. Euh, par exemple, Steven, 32 ans. Fin de contrat, l'année prochaine. Est-ce que Steven, ça vaudra le coup de le... Euh, C'est vrai que, dit comme ça, Steven qui va vite faire arriver sur le déclin. 33 ans l'année prochaine. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas quand même compléter avec un mec qui est fort en pavé Là, un mec qui est fort en pavé... On a Marine Vandenberg et Totenberg, mais c'est pas forcément leur centre d'intérêt. Bref, on va vite fait lister les mecs qui sont sur le déclin. Donc, je disais, Steven, malheureusement, peut-être d'ici trois 3 trois prochaines années, Chikone, obligatoire. Il a 29 ans, 32 ans, ça va commencer à baisser un peu tout doucement. Euh, on va avoir un, un Scunge logiquement. Euh, tac, tac, tac. sony dans le même cas que Chikone, je pense. Euh, contre Sony et Chicone, je les compte pas finalement. Parce que, en vrai, c'est des mecs qui vont pas décliner très rapidement. On le sait. Euh, Verona. Oui et non. Euh, je pense qu'on peut le mettre dedans, mais d'ici deux ans, trois ans. Voilà. Euh, Alex Kirsch. Bon, lui, il est comme... dans le même cas que Skynge. Que, euh... C'est un mec que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son profil, mais voilà. Tim Clerc Bon, allez. Euh, ça n'a aucun intérêt de le garder euh, même cette année. Enfin euh, pour l'année prochaine, Bokmolema malheureusement. Bokmolema j'essaierai de le garder. Au plus longtemps possible parce que c'est un mec que j'adore. Mais il est déjà sur le déclin. Ça fait 5 euh, ans qu'il est sur le déclin, Bokmolema. On sait, hein, on le sait, Bokmolema c'est ciao. Edorten c'est pareil. Euh... Ouais, ça nous mène... Euh... Non, pas ça nous Julien Bernard, sur le déclin aussi. faut prendre un mec en pavé. Ça c'est une certitude. Ça aurait été parfait qu'on prenne un Lorenz Pitti. Qu'il progresse euh, bah à la maison, tout simplement. Mais au final, bah, il a trop fait avant. faut qu'on aille chercher un mec en pavé. Et après, je pense qu'on pourra se dire que le mercato est clôturé. Euh... Un Florian Vermerch, Alors, ça me tente pas trop. Mais un, un mec de son profil. Armadis Merkels. Non, je pense pas. Ça sert à rien de prendre. Ah bah voilà. Je pense qu'on a trouvé un. Un des des frères Van donc on a Mick au team. Team est plus complet. Je pense que team Van ça pourrait être un coureur qui se, qui s'épanouirait bien. Donc euh, alors attends, j'ai pas regardé, j'aurais dû re-regarder ses stats. sa marge de progression par rapport à son frère aussi. Je crois que son frère en plus c'est Mick et Tim. Si dis pas de conneries. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais, euh... mais euh, ouais. Alors team Van il a du potentiel en sprint, en classique du Nord. C'est ce qu'on recherche. Il est assez complet. Il pourrait être vraiment très utile sur un tour de France. Sur un train de sprint. Euh, Surtout. On va regarder Mick Que au niveau du potentiel. Mais là actuellement mon choix porterait sur Team. Euh, Mick Que Le voilà. Bon, allez. Le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Alors il y a 77 pavés, certes, mais... Il n'a pas une très grosse marge. Donc on va aller prendre Tim Vendishke. Et on va clôturer notre Mercato. On ne se fera pas. Euh, là, San Sebastian. Parce que tout simplement, bah, on n'a pas le temps. Tim Vendishke, c'est bien ça. On va les le recruter. Euh, coureur important. On va lui gonfler son salaire. Parce qu'il n'a pas tant que ça intérêt à venir euh, chez nous. 19 000. Parfait. L'indice équipe ça change pas. Euh, donc euh, voilà. On va juste de faire aller se simuler euh, la San Sebastian. Comme ça on pourra jeter un coup d'œil aussi au euh, transfert qu'il y aura. Donc on va pas jouer euh, l'année prochaine avec euh, Alexandre Vlasov. On va garder les mêmes en espérant qu'il y a des grosses progressions côté Pelizari, côté, euh, côté Cepeda, tous ces mecs là, côté Shane Queen. J'ai confiance en eux. Je pense que... Bon, qu'il qu'il fallait leur faire confiance, tout simplement. <laughs> C'est des mecs qui sont bourrés de potentiel. Et sinon bah on repique une saison avec euh, bah, des GeoGegenhardt, Scalmoge et compagnie. On a vu que c'était pas si mal. Il hein. euh, y avait quand même GeoGenhardt sans sa blessure, il aurait peut-être pu faire le doublé euh, Giro Volta. Comment il vu comment il était fort euh, sur, le, sur le Giro, bah, ça m'aurait pas étonné de le voir faire le doublé. Donc voilà. Ah oui aussi pardon. Euh, faut qu'on aille faire un truc très important. On va virer le staff. Commence il commence à m'ennuyer, ceux-là. Regardez, regardez. Parce que j'avouerai que je me suis pas préoccupé de ça. Mais euh... oh, avec la véhicule fracturée pour Remcoven Pool. Voilà. Faut qu'on aille virer, les gars. On va se refaire ça. Là, il nous reste des thunes. Entraîneur. On va se faire un nouveau staff. On va prendre la crème de la crème. Le meilleur du meilleur. Donc à la pointe. On va essayer de prendre des, des américains quand même. À la pointe. Parfait. On va prendre tous les styles, hein, style traditionnel, alors on va prendre les salaires c'est mieux, tac tac tac, moderne, moderne, faut qu'on dans le moderne, on va prendre américain peut-être c'est mieux, voilà, parfait, et maintenant dans le traditionnel, traditionnel, on va prendre John Darmi, je sais pas quoi là, les éclaireurs, bon ça on s'en fout, on les utilise pas tellement, on va prendre les meilleurs médecins, renommés mythique. On va prendre euh, allez, on va prendre le plus cher. On en a de la thune. On va prendre euh, plusieurs médecins, je pense. Je sais pas à quoi ça sert sur PCM mais vas-y, on va se dire que pourtant, on va prendre un américain aussi. Voilà. Parfait. Bon, bah ben, on va se faire un petit point mercato pour ce qui est des autres. Alors, Remco Evenpool qui s'est cassé, tout comme Pogachar. Est-ce qu'il y a eu des transferts actuellement On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Côté Alpes, il n'y a rien eu. Bien Biotel. Hotel. Non. Stana non plus. Il n'y a pas eu d'arrivée encore. On a tout fait tout seul nous, mais... Ok, non, je pense qu'il n'y a pas eu de... Ok, bon, on verra ça après. On va aller simuler la San Sebastian déjà. Au pire, on se fera un point pendant la Volta. Puis sera tranquille. alors, euh, Du coup, le leader sur le, le, la Volta, je sais pas qui c'est. Est-ce que Giulio Chicone pour vous aurait les épaules Je sais pas du tout. On est censé avoir Scalmo, j'en pique sur la Vuelta. Chicone, il a fait les trois grands tours. Je pense que ça va être mort pour lui, malheureusement. Mais j'aurais bien aimé le voir. Hein. J'aurais bien aimé le voir. Et vous le savez que le parcours de la Vuelta était pas si mal pour un Chicone. En plus, s'il manque Pogachar, Evenpool. S'il n'y a pas Vignegard, s'il n'y a pas Roglic. Si on doit faire face à des Bernal, moi ça me va. Euh, Philbos qui va quitter Bahreïn pour Cometa. Ok Bah euh, Je valide, Je valide c'est pour monter en World Tour après, Philbos ouais euh, Carrément Carrément, carrément Alors il y a eu des transferts du coup Mathieu Vanderpool prolonge chez alpecin de Koenig Philipsen prolonge chez alpecin de Koenig Matej moritz prolonge Vlasov va prolonger Yet aussi Sobero aussi Bisegger aussi Transfert Philbos chez cometa et ensuite, on les connaît les autres transferts, c'est nous. Euh, Alors, l'équipe Polti. L'équipe Polti, l'année prochaine, euh, ça peut être une grosse truc. Ah ouais, ils ont Piganzoli, s'ils parviennent à conserver Piganzoli. Attention à eux, ils ont forcément la card sur le Giro. Je peux vous dire que l'équipe Polti comme état, l'année prochaine, avec l'arrivée de Philboos, gros sprinter, qui va être euh, hyper important pour l'équipe. Alors par contre... Ça va être compliqué. Pour conserver Lonardi, pour conserver Penalver, pour conserver euh, Piganzoli, il va falloir vraiment. Il va falloir vraiment vraiment bah, mettre un sacré chèque. Euh, la San Sebastian, on va simuler ça. Et puis après on s'arrêtera là. Tout simplement j'espère que ce petit épisode Mercato vous aura plu. Moi j'ai pris un kiff monumental à le tourner. Euh, J'adore les Mercato, les vous le savez. L'équipe, qu'on aligne du coup, on va pas s'emmerder. Euh, Verona. Tesfatsion. skelmouge, Woman. Lopez. Gebrezabier, joli Pour la San Sebastian, je pense que Scalmoge peut faire un gros résultat. Il est à moitié malade, Scalmoge. garde l'emporte. Et n'est pas là. 24 e Bon, en vrai, pas trop grave. Pas trop grave. On va vite fait. Euh, je vais vite vous montrer la start-list que j'ai alignée pour la Vuelta. Donc, normalement, on a Pedersen. On devrait avoir Scalmoge. On devrait avoir Chiboneis. Julio Chicone. Patrick Conrad. Juan Pedro Lopez. Carlos Verona. Book Molema. Voilà. Donc, euh, pas une grosse équipe autour de Mats Pedersen. Il est là pour chasser des étapes. Il est là pour se débrouiller, Mats. Donc, voilà. En vrai, euh, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris un kiff monumental à le tourner. Comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Les cas, c'était Nioye. Ciao, ciao.